Hey, salut les amis, c'est Mamak, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te fais cette vidéo tout simplement pour me remettre un peu dans le contexte des vidéos. Donc j'essaie vraiment de me régulariser. Donc j'essaie d'avoir cette habitude de prendre une vidéo comme ça à l'improviste, plus ou moins à l'improviste. Préparé quand même, mais plus ou moins à l'improviste. Et en regardant justement d'autres vidéos sur internet et surtout en essayant de me former, j'ai compris que sur cette chaîne YouTube là, je voulais vraiment être éthique. Éthique, c'est donc être totalement transparent avec toi et vraiment ne pas faire les choses, enfin, ne pas faire du sens marketing. Vraiment où je te booster, enfin je boostais mes chiffres, je boostais mes expressions, ou etc. Je vais vraiment faire ça de manière éthique. Donc là, je viens tout juste de me lever, ma chambre est en bordel. J'essaye de faire quand même quelque chose d'assez propre. Donc je pense que la seule chose d'assez propre, c'est mon mur de mémoire qui est juste derrière moi. Alors... aujourd'hui, je voulais aussi te parler donc de la force des habitudes. Je sais que c'est une force qui existe et qui te permet d'avoir des résultats, de bien meilleurs résultats sur du long terme lorsque tu fais en sorte de t'habituer à faire quelque chose tous les jours. Là, j'ai vraiment testé de faire ça tous les jours. Aujourd'hui, donc j'ai testé... Donc sur mon mur de mémoire, je sais pas si tu vas réussir à le voir, je vais faire un petit focus. Alors c'est tout simplement des phrases que j'écris tous les jours en me levant. Donc lorsque je me lève, hop, je prends un stylo et j'écris une phrase, la même phrase tous les jours. Donc là aujourd'hui je suis arrivé à, ça fait une semaine en fait que j'ai fait ça. Et ça va servir à quoi? En fait, le fait d'écrire une phrase motivante, donc une phrase qui te motive et qui te correspond. Moi, la phrase, c'est « Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. » Donc, je répète, « Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. » Et donc, j'écris ça tous les jours. Déjà, ça me prouve bien que si je fais un petit effort tous les jours, le succès, il va arriver petit à petit. Et c'est à la fin, à la fin du mois où je vais vraiment avoir des résultats. Donc la force de la répétition me permet de rentrer ça dans mon subconscient. En fait, j'essaie vraiment de le faire rentrer dans mon subconscient pour dire que voilà, si je fais des petits efforts tous les jours, à la fin, j'aurai le succès. Donc c'est ce que je fais avec cette force des répétitions. Et en fait, de jour en jour, je rajoute quelque chose à faire pour que ça rentre dans mes habitudes. Là, j'ai fait quoi? J'ai dû faire 3 jours à écrire ça simplement jour après jour, quoi. Donc, je faisais une phrase par jour. Et au bout du 3e jour, j'ai commencé à faire un petit peu de sport, tu vois, c'est-à-dire le matin, voilà, tu te lèves, tu fais, je sais pas, une série de 10 pompes. Moi, personnellement, je fais des burpees. Je fais une série de 10 burpees, donc sur 2 fois. Enfin, je fais 10 burpees 2 fois. Enfin, ouais, voilà, tu m'as compris. Avec un temps de pause au milieu. Et donc, en fait, je l'ai fait ça au bout de 3 jours. Et pareil, j'ai fait ça juste après avoir écrit ma phrase. Donc, ça fait qu'au bout de 3 jours, j'écris les phrases pendant 3 jours. Donc là, ça commence à rentrer. Au bout de 3 jours, je rajoute quelque chose à faire. Une habitude à faire tous les jours. Donc maintenant j'écris ma phrase et je fais ma petite séance de sport. Et en fait j'en suis à une semaine. Je rajoute une nouvelle chose. Là, ce que je fais, c'est tout simplement publier, donc sur notamment le média social Snapchat, je publie et j'envoie une photo en souriant, voilà, en disant bonjour ou parfois je dis bonne nuit, enfin voilà, je dis bonjour aux gens, bonjour à les personnes qui m'ont ajouté sur Snapchat, je mets un sourire dans ma story et ça va être, je vais vraiment faire en sorte que ce soit une habitude, c'est-à-dire que tous les jours, quand je me lève, j'envoie un petit bonjour à tout le monde avec un gros sourire. Pourquoi je fais ça? Parce que si toi,
toi-même, tu véhicules de la bonne humeur dans ton, bah, dans ton entourage, en fait, et ben forcément, ton environnement va s'améliorer. Et ton environnement va s'améliorer et forcément, bah, ça va... Il y aura des conséquences, en fait, que bah, tu vas avoir une meilleure journée, par exemple, par le simple fait que tu as balancé un sourire comme ça. Et le fait de balancer un sourire, bah, ça va donner du sourire aux autres, qui eux aussi vont donner du sourire aux autres. Enfin, vous m'avez compris, quoi, effet boule de neige. Donc, voilà, c'est une habitude que j'essaye de prendre, donc d'envoyer un petit sourire à tout le monde pour pouvoir véhiculer de la bonne humeur dans mon entourage. Et si j'ai un entourage bah, qui est de bonne humeur, forcément, moi aussi, je serai de bonne humeur et donc beaucoup plus productive et donc eh ben, avoir le succès. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et oui, je voulais aussi te dire une chose, c'est que je vais faire, enfin je vais reprendre les questions de la minute du jour. Alors, si tu ne connais pas la minute du jour, c'est une vidéo quotidienne que j'ai faite du mois de décembre sur ma chaîne principale. Et le concept était simple, c'était que tous les matins, 7h, une vidéo sortait où je te posais une simple question. Et toi, en fait, le but de cette question, c'était de te faire psychoter un petit peu et de réfléchir sur cette question. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les questions. Je vais pas refaire la série minute du jour, sauf si vous le voulez. Mais je vais reprendre ces questions et je vais en faire des vidéos bah justement où je vais parler plus en profondeur de ces questions et on va faire bah, une meilleure réflexion comparée à la minute du jour où c'était simplement une petite vidéo le matin pour te faire réfléchir sur une simple question. Là, on va parler plus en profondeur dans cette chaîne. Donc, c'est un peu la partie développement perso de la chaîne. Et bah, c'est tout ce que je voulais te faire partager. On se retrouve bah, dans la prochaine vidéo. Je te dis ciao, ciao.